Pour maîtriser cette partie, vous devriez comprendre ces deux notions, nombre de chromosomes et formule chromosomique. Le nombre de chromosomes, symbolisé par N, généralement, c'est le nombre de chromosomes présents dans la cellule. Pour déterminer le nombre de chromosomes, il suffit de compter le nombre de chromosomes présents dans le caryote. Dans ce cas-là, vous écrivez N est égal et vous comptez le nombre de chromosomes et vous mettez la valeur. Exemple, chez le drosophile, vous avez ici 8 chromosomes. Dans ce cas-là, il suffit d'écrire la valeur N est égal à 8 chromosomes. Et c'est pas fini, vous allez regarder entre ces chromosomes. Si les chromosomes se ressemblent 2 à 2, c'est-à-dire présentent des homologues, dans ce cas-là, vous allez écrire 2N est égal à 8 chromosomes.